Et salut, toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Épisode numéro 2 du follow sur American, Rugby Alice. On est dimanche, suite de l'épisode 1.5 qui apparaît en haut de ton écran. Normalement dans les 30 premières secondes de la vidéo. Nous sommes dans la vallée des larmes. Et ça sent la phase de plateforme un peu casse-couille. Hop là. Donc on avance pour l'instant tranquillement. Environnement en extérieur après l'environnement bien relou de l'école, la school, avec un K. Oh là, ça a failli, mais tout va bien. Ah oui, les fourmis de la sécession. Non, c'est bon. Non, c'est bon ça. Elle va tomber ici normalement. Voilà, je peux y aller. Hop, hein. Ok. La petite attraction qui va. Ok, d'accord, tout va bien. Ça va, ça va. Ça va. Là, le niveau de joueur est au taquet. Incroyable. J'esquive le truc, mais je tombe bêtement. C'est assez ouf. Je crois qu'il n'y a pas de raison de tomber, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas. Quoi, t'as de haine. Quoi encore? Ah! Ah! Vite, vite, vite. Nickel. Ah, tranquillement, tranquillement. Il me semble qu'il y en a 3 dans mes souvenirs. Mais... Ah, non. Merde! Non. What? La séquence totalement what the fuck. C'est bon, on va passer ici. Allez, calmez-vous. Ok. Bon, ça devrait être bon, je crois. Oula, oula. Donc là, c'est les... ces phases-là, je suis pas fan, tu vois, je me sens pas forcément très très à l'aise. Hop. Alors, on est face à face avec une fourmi dans quelques secondes. Ah ouais, c'est chaud. Avec leur fusil. Crève pas surtout. What the fuck quoi? Ça craint. Ça craint de ouf. Plus... Ah attends, mon truc a disparu quoi. Oh ça va, deux couteaux de lancer et c'est parti. Oh ça va. Ça va. Oh ça va, elles sont assez Google. Ouais bon. What? Eh t'en fuis pas là. Ok c'est bizarre. Oh tu sais, c'est deux couteaux. Étrange. Ah ouais, lui avec ses glands là. Bon eux ça va, on rigueur, ils font pas grand chose. Je me rappelle il y avait une séquence en... Je sais plus pourquoi, on descendait, pardon, à une rivière. Putain, c'est stylé de ouf ça. J'aime beaucoup. Un minotaure palmé. Mais enfin que se passe-t-il? Quelqu'un est-il mort? Avez-vous perdu votre famille? Non, ma carapace. La duchesse l'a volée et a essayé de me manger. La noblesse doit être servie, je suppose. Je vous en prie, arrêtez de pleurer. Vous n'êtes pas très chaleureuse pour un mammifère. J'ai failli finir en soupe. Quelle tragédie, mais je n'ai pas le temps de discuter. Auriez-vous vu un lapin? Le nez retroussé, le regard fuyant, toujours en train de regarder sa montre agoncée, une bien étrange créature. Peut-être, mais il m'est très cher. Je dois le retrouver. Le bon Bix pourrait vous aider. Il sait tout ce qu'il est nécessaire de savoir. Et où ce mollasson avachi installe-t-il son narguilé? Depuis le début des troubles, il se cache. Je ne peux pas dévoiler son secret. Je ne peux pas prendre le risque de vous parler sans rien avoir en échange. Qui ne risque rien n'a rien. Sa position en échange de ma carapace. La duchesse ne s'en séparera pas comme ça. Alors elle le fera contre sa volonté. Je vais lui apprendre les bonnes manières.
Vous êtes courageuse, mais je vous préviens, pour elle, tout est une proie. Ah, la fameuse feuille. C'est là-dessus qu'on descend la rivière, si je me souviens bien. Donc on est d'accord qu'on a un minotaure palmé avec des nageoires qui a perdu sa carapace, qui est en slip et qui descend une rivière sur une feuille. Tout va bien, on apprécie ce genre d'environnement. Ah, ça c'est ma feuille. Hop. Ah oui, d'accord, ça se situe, en fait c'est moi. Stylé. Allez, c'est parti. On prend les cartes, au cas où. J'ai l'impression de me souvenir qu'il y a un passage qui était roulou comme ça, genre. Il fallait pas tomber dans l'eau et tout, mais apparemment tu peux tomber dans l'eau. Je pense. Ok, d'accord, il fait de l'eau. What? Ok. Saute! What the fuck? Et saute! Et attends. Ah. Ouais, c'était ça, ouais. Ah, le bâtard. Oh putain, la galère. Et puis merde, on va essayer de s'en sortir. On y croit. Ok. Ah bah il est là, tiens. Allez, on y croit. S'il te plaît. Mais sors d'ici là. Voilà. Ouh. Voilà, tranquille. On est bien. Ah, bête. Voilà. What? Il va faire bugger ce con. Ah, le bâtard! Ah, c'était des glands explosifs. Oh putain! La barbe. La barbe de ouf. Eh merde! Eh merde! Non, toi, tant pis, tu quoi. Ça va le faire. On peut pas prendre là, non. S'il te plaît, saute. Ah, je peux rien faire. J'ai pas de santé, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain la merde de ouf. Ah, une feuille. Peut-être attendre une feuille, tu penses? Regarde, j'ai plus de vie. Comment veux-tu que je m'en sors? Ah ouais, une feuille. Ok. Ah ouais, je suis pas bien. La sauvegarder, c'est mauvais plan, toi. Oui. Wouah, ce chat intersidéral. Bon, calme-toi avec tes conneries là. What? Et what the fuck? Okay. C'est quoi pourquoi je suis tombé de ma feuille? C'est quoi pourquoi je crevais? Ouais, tu veux que je fasse quoi? What the fuck? Genre, attends, j'arrive à échapper à un truc de ouf. OMG! Ok. Sauvegarder ne sert à rien. Bon, on voit plus ou moins l'endroit problématique. Donc là, déjà, il y a une.
plante qui me balance des trucs, je peux lui faire. Ça va passer à travers. Ah mais j'aurais peut-être aller là, attends. Non, là, là. Et ouais. Et ouais, il y a une feuille ici. Et ouais. J'aurais dû faire ça. Et ouais les bestiaux, faites quoi maintenant hein? Faites quoi? Faites rien. Évidemment tant que tu es sur la feuille, ça gêne pas trop les autres abrutis là avec leur volant. Là, j'aime pas trop ces phases là. Pouvoir sauter. Un abruti, non c'est bon ça passe. Tranquille. Pas une glissade s'il vous plaît, merci. Là c'est bon ça passe. Le minotaur est là-bas. Ok, ok, ok. Non. Mais je savais que j'aurais dû sauter, putain! Allez, on retente le petit saut. Est-ce qu'on va avoir de la chance une deuxième fois? Est-ce que je vais réussir à ne pas tomber? Incroyable, celui-là, je le gère bien. Après, ça glisse tranquille. Là, là ça sert à rien. Je vais sauter du coup à gauche. Là. Putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va pas, ça va. Grimpe. Grimpe. Qu'est-ce que tu fous? Grimpe. Voilà. Non, tu veux pas? Je veux pas. Allez. Mais, incroyable, merci, on apprécie beaucoup. On est là. Putain, mais lâche-moi la grappe. Ah, encore. OMG. Il est passé par où? Allez, on est reparti. On va faire que ça en fait. Ça se trouve, ce niveau, c'est que ça. Là, oui, je m'en souviens pas vraiment. Ça c'était prévu. Incroyable, la cachette creuse, on passe à autre chose, enfin. Ah là là, OMG. Ok. Oh, calmez-vous. Calmez-vous de suite. Tiens, mange mon couteau. Ah shit. Un coup ça en fait un truc et un coup non. La phrase voulait rien dire. Enfin, un coup je l'ai ouais sans. Enfin. Les tue en deux coups, mais là non. Voilà. Donc, tu devrais savoir. C'est du chien. Cherchons pas à comprendre. Avançons. Et pour mailler. Là. Là, je suis pas sûr savoir d'aider. Je sais plus. Parce que je suis mort, je sais pas récupérer. En même temps, aider, sincèrement, je vais contre-fouter. Vas-y. Ouais. OMG. Est-ce que si je joue au corps à corps. Ah, ouais, c'est des ouf. Non, mais 30 ans pour. Arrête de faire ça, c'est roule. Ouais, c'est pas voir ça, ce que je dépense pour les. Pour les battre, tiens, je vais en face. Bah, tiens, c'est plus. Fausse manip. Je vais sauvegarder, j'appuie sur la chatte. On est plutôt pas mal. Non, 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 je m'en bats les cacahuètes de vos trucs. Putain. Hop. Et on est reparti. OMG quoi. Droite, gauche. Droite. Et la gauche. Ça me paraît logique. Et la droite. Ça me paraît logique. Ok, tac tac.
Si on pouvait se bouger un peu plus vite, merci beaucoup, on accélère. Je suis pas censé sauter là-bas ? Je comprends rien. Je suis pas censé... What ? Pardon. Pourquoi moi je m'arrête ici ? Ouais, j'aurais bien après. Je peux sauter là ? Je peux faire ça, et ça. Tranquillement, je récupère ça, il y a du people ici. What the fuck ? Je sais pas où je dois aller. Ah si, je me rappelle des champignons. On prend rien. What? Bon alors attends, on va se calmer vite fait. Je suis en train de faire gang gang. C'est violent. C'est extrêmement violent. Je peux m'agrêter là ou pas? Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, je saute là et je saute... Je saute ici. Je vais pas réussir, je pourrais pas sauter là-bas. Putain, faut que je passe par là. Et je suis mort. Je suis mort de ouf. Je suis mort. Je fasse quoi? Ils sont 8 milliards. Un peu de santé là. Vite, vite. La santé. La santé, hein? Oh mais les gars. Hey, c'est un truc de ouf, je suis en médium. Hey, j'imagine même pas en cauchemar. De mieux en mieux. Bon ici ça va être un truc de taré. Quand je me fight avec ces gens là. Ah oui, ils sont bas les couilles. C'est ça le problème. Meurs. Non, c'est du coup. Hop. Ah oui, c'est... Est-ce que je peux la tuer? Oui. Une nouvelle. Bon, il y a lui qui est chaud du dard là. Ouais, bien sûr! Le crève, bordel. Mais what the fuck, les gars. Cassez-vous avec vos délires. Mais cassez-vous. Et mon couteau, je peux pas l'upgrade pour qu'il revienne plus vite. C'est un bon délire ça, tu vois. Merci bien. Voilà. On est sur quelque chose de cool. Encore du monde là-bas. Voilà. Ok, bien joué. Mais combien de temps on va revenir le coup de 1, 2, 3, 4. 4 secondes. Tout de même. Tout de même. Bon, encore des pièges à con par là. Vas-y. J'en doutais de ces conneries. Ah! Il était pas prêt au programme, lui. Il aurait dû me tuer. Enfin, il aurait dû me tuer. Non, pas me tuer, mais il aurait dû me hit. Trois couteaux de lancer, il me semblait que j'en avais fait deux tout à l'heure. Étrange. Bon, tout est bien là. J'ai récupéré la petite feuille. C'est une connerie, hein. C'est pas celle-là en plus. Je vais faire le con. Tu peux passer? Non, je peux passer. Venez, venez, venez. Tiens, ça te prendra. Ça te prendra toi aussi. Faire les marioles. Hop. Voilà, sur ma feuille.
T'es dans ton deuil. Ridicule. Ça sert à rien, on va devoir sauter ici, je pense. Je pense. Hop. OMG. 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 Voyam, pas du tout. Je vois pas du tout bien. Quand tu veux le couteau. Très très beau lancer. Très très beau lancer. J'aurais peut-être dû le faire sur 3-6. Ok, cette maison. Incroyable. Psst, par ici. Est-ce que je vous connais? Bill McGill, à votre service. Appelez-moi Larry. Ou Bill, vous avez du brandy? Non, je n'ai que ma raison. Alors vous avez rien. La raison, elle sert à rien par ici. Tout est sans dessus-dessous. Je dois voir la duchesse. Impossible! Elle reçoit que ceux qui veulent pas la voir. C'est idiot. Mais non! C'est génial! Elle se cache de la reine rouge qui veut sa tête. Sa tête? Oui, aussi. Elle a rasé ma maison, construit cette horreur. Elle est complètement finoque et n'a aucun goût. Enfin bref, de toute façon, on va tous cramer bientôt. Vous n'avez pas du brandy, c'est sûr? Je suis venue récupérer la carapace de la tortue, je ne partirai pas sans elle. C'est une tortue? C'est vrai, ça? Alors filez-y un coup dans l'œil. Je suis votre humble serviteur, mademoiselle. Elle va regretter ce qu'elle m'a fait subir. Suivez-moi. Intéressant. Enfin, changement d'environnement, ça fait plaisir. Ça me rappelle rien du tout, ça. C'est ouf. Vas-y. Ok. Approche-toi, ma petite. Ah, ça sent le boss. Ah, je m'en souviens carrément pas. Assaisonné, tu pourrais faire un magnifique repas. Je ne suis pas comestible. Pas en plat de résistance, mais comme en camp, sûrement. J'aurai la carapace de la tortue répugnante aux graisses. Il faudra me passer sur le corps. Vos désirs sont des ordres. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? What the fuck? Ok. Putain, elle a pas de barre de vie quoi, donc bon bah attends hein. Je vois pas de barre de vie apparemment, donc on va attendre tranquillement qu'elle soit là. Crame. Bon là elle se rapproche un peu trop, ça me plaît pas. Vas-y, coupe au feu là. Est-ce que ça la tue? Je ne sais pas du tout, tu vois. Ce combat de boss est très étrange. Je n'ai plus de magie. Ah bah c'était beau. Ok. Putain, je veux un peu plus de ça. Appeler les sangsues pour qu'elles nettoient ce bazar. Au moins ma carapace est dans un état convenable. J'aurais tout de même apprécié que l'on me remercie. J'ai rempli ma part du contrat, tortue. C'est vrai. Je vous emmène en promenade. Restez près de mes bulles, accrochez-vous à elles. Ne les quittez pas, vous vous en sortirez. D'accord. Ah ouais, là, elle est là, trou noir, quoi. Le territoire uniforme. Trou noir. Ok. Ah ouais, ça me dit rien du tout. C'est comme si c'était la première fois que je faisais le jeu. Ce n'est pas plus mal. Du coup, je kiffe de ouf et je vais m'étonner de dingue de ce passage. Je me souviens pas du tout. Ah oui, serrer les bulles. Pour pouvoir respirer, je suppose.
C'est le mec, j'ai entendu, mais je peux pas écouter ce qu'il a dit. La tristesse du gars. Désolé, je suis peut-être en l'air. Oups. Oui, forcément, ça me paraît évident. Écrasé par une stalactite. J'aurais dû. Je sais pas en fait, je suis vraiment. Passer à gauche, passer à droite. J'ai ralenti en fait, mais c'était pas le bon délire. Je suis bien en tout cas, hein. je suis dans sa roue, si je puis dire, dans sa carapace. On va le suivre vraiment, on va le suivre. Ah non, on peut pas suivre. Hein. On va passer à gauche, hein, parce que lui apparemment il fait sa vie, mais apparemment on ne peut pas vraiment faire comme lui, donc on va passer à gauche. Je pense que ça devrait le faire. Du coup, j'ai dit avant que ouais, j'aurais dû plus le faire sur 3-6, etc. En fait, quand t'as acheté Alice Madness Return, donc le 2, tu avais le remake, entre guillemets, HD, de American Maggie Alice, avec les succès correspondants, etc. etc. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais non. Voilà, je préférais faire l'original sur PC, surtout que je vais devoir refaire l'autre sur console, pour la bonne raison, c'est qu'il y a des succès, et si tu veux terminer le Alice, bah t'es quand même obligé de faire celui-ci. Je vais pas passer dans les huîtres ou je sais pas trop quoi, je suis sûr qu'elles vont se refermer. Ça sent le mauvais délire. Du coup, ouais, je crois qu'il y a 100 points, 200 points, je crois, de Alice Madness Return qui est dans l'original en fait, dans le DLC. Aïe. Du coup, j'hésitais, je me dis, ouais, vu que je dois le faire sur console, est-ce que je peux en profiter pour faire le follow? Et finalement, je trouvais que le faire sur PC, c'était un peu plus. C'était un peu mieux. Tu connais mon amour pour l'authenticité. C'est au maximum de. Alors, ça, utiliser les émulateurs, c'est mort. Mais j'essaye surtout d'utiliser au maximum les vraies consoles. Au pire, je joue à des jeux. Je joue à des jeux de PS2 sur PS3, tu vois, pour la rétrocompatibilité et la qualité d'affichage. Mais c'est tout. Les jeux que je fais sur PlayStation 1, par exemple, je peux le faire sur PS2. Toujours pareil, hein, pour cette histoire d'affichage. Mais je ne lisse pas les textures. Et je n'accélère pas les chargements. C'est les deux options que tu peux faire quand tu joues des jeux PlayStation 1 sur le PS2. Tu peux ajouter de l'anti-lasing en fait. Eh ouais, c'est fini, ouais! Putain, il est où? Il est là. Et donc de l'anti-lasing, disais-je. Et accélérer mode de feu avec les chargements. Ça va me faire plaisir. Casse-toi! Ah ouais, j'étais plus dans le. L'oxygène, putain, fais chier. Je suis trop loin! Non, c'est bon. Pitié, lâche-moi. Lâche-moi! Pourquoi cette accélération qui s'est tapée? Non, c'est bon. La forêt des. Quoi? Stop! Changement de niveau. Putain, j'ai même pas vu que j'avais changé de niveau. Enfin, je m'attendais pas à ça. Terminez ce que vous avez commencé, s'il vous plaît. Rappelez-vous, vous êtes en visite, mais nous sommes obligés de vivre ici. Je ne suis pas en vacances. Et je ne suis pas un ingrat. Vous voici reptile honoraire. C'est bien ma veine. Vous penserez à cela lorsque vous serez sous l'eau. Hop. Du coup, il en est fini de cet épisode 2 et de la vallée des larmes. C'est ça, la vallée des larmes? Ouais, c'est ça. Ça, par contre, ça me dit quelque chose avec les champignons et les cordes et tout. C'est chelou, hein. Bref, on va arrêter ici. Donc, je donne rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 3. Stop. Je donne rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 3.
de ce flow sur American Maggie Alice. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, évidemment, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas tous les liens dans la description, Instagram, Discord, Twitter, Facebook, Twitch, etc. Et n'oublie pas, car moi je n'oublie pas, à la prochaine, tchuss.